On y va, vous me dites quand vous voulez qu'on y aille. Je vais dessiner la main d'Hélène. Je dois dire que j'adore dessiner les mains et que les mains racontent plein de choses. Le corps a ça, qu'il nous raconte des histoires. Ben, j'ai l'impression d'avoir toujours eu envie de faire de la bande dessinée. Et le bonheur, c'est de se dire qu'on a pu faire ce qu'on a rêvé quand on était enfant. Ça, c'est déjà incroyable quand on se réveille le matin et qu'on se dit « Eh merde, je peux toujours faire de la bande dessinée. » Quand j'étais à l'école, je dessinais en cachette pour que les professeurs ne voient pas parce que je m'ennuyais beaucoup. C'est mon espace vie, le dessin. Écoutez, c'est un livre où il y a un alignement de planètes. Moi, au départ, j'étais un peu surpris de cette demande parce que j'avais le sentiment que je ne voyais pas trop ce que je pouvais lui apporter à cette série. Et c'est surtout une petite note que Jacob s'avait laissée qui a été déclencheur de tout. Quelques lignes sur l'idée qu'il pourrait avoir un Blake et Mortimer au palais de justice. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est un signe. Il faut parfois des signes comme ça. Mais vous savez, un livre, c'est une bouteille à la mer. Hein. On ne sait jamais ce qui se passe. On ne sait jamais vraiment comment les gens vont réagir. On a beau avoir du métier, soi-disant d'ailleurs. On reste toujours un peu débutant. C'est tellement long de faire un album comme ça que le bonheur, c'était qu'on avait du plaisir à se voir et que même si on n'avait pas de bonnes idées, même si on tournait en rond, eh ben on rigolait bien. Il y a toujours une solitude, mais elle est à ce moment-là, elle est compensée par des moments de plaisir de groupe, comme un groupe de rock. Bon, mais personne, hélas, ne joue très bien de la guitare dans notre groupe. Ce qui pose quand même un problème si on veut avoir une carrière dans la musique. Comment est-ce que Blake et Mortimer réagiraient aujourd'hui? C'est une question qui du coup, ouvre des perspectives formidables. Le plaisir, c'était de les faire vieillir, c'était de leur donner une petite histoire un petit peu parfois difficile, c'est-à-dire une amertume un peu chez Mortimer, un souci de carrière chez Blake, et puis entre eux, un petit peu de distance qui s'était créée, sans doute que la vie les a un peu éloignés comme ça. Et ça, c'était intéressant parce que du coup, ça permet qu'ils se retrouvent d'une façon intéressante. C'est cette espèce de vieille complicité qui rejaillit. C'est toujours beau, ça. J'ai toujours trouvé ça, que c'était magnifique quand des amis savaient dépasser leur querelle. Et voilà, donc c'est un petit peu des choses comme ça, vous savez, qui nous donnent envie de faire des livres. Voilà.